un grand jour. Et maintenant, on va faire quelque chose. Et les choses qu'on va faire maintenant, c'est très important. Et avant de continuer, il faut que je me présente. Mon nom, c'est Youkem Sibasi. Et tu sais, il y a quelque chose qu'on va discuter. Les choses qu'on va discuter, c'est que il y a les choses quand on a dit que ce n'est pas important, ou bien c'est important quand les enfants font quelque chose, on faute les enfants. Mais il y a les gens qui disent que oui, c'est très important, et il y a les gens qui disent que non, ce n'est pas important quand les gens font quelque chose, quand les enfants font quelque chose que on ne faute pas. Maintenant là, vous êtes enfant ici, on va lui demander s'il est très important quand on faute l'enfant dès qu'il fait quelque chose de mal. Donc, on continue. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui. D'accord. Et dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chelsea Nsima. Chelsea Nsima. Chelsea, dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Tu as 14 ans. Et est-ce que comment... Ton père s'appelle comment? Mon père s'appelle monsieur Joseph Nsima. Donc, ta mère s'appelle comment? Ma mère s'appelle Madame Enoï Simon. Donc, dis-moi, vous êtes combien dans votre famille? J'ai 6 dans la famille. 6. Et combien le frère? J'ai 2 frères et j'ai une soeur. Et ton frère s'appelle comment? Mes frères s'appellent Leonard et Arnold Simon. Donc, dis-moi, est-ce que c'est bon quand on faute l'enfant dès qu'il fait quelque chose de mal? Non. Parfois, lorsqu'un enfant fait quelque chose de mal et ses parents le punissent, il développe le sentiment de mentir à ses parents. Donc, il a dit que quand les gens font quelque chose de mal et dès que vous fautez l'enfant, il développe un sentiment mauvais à cet enfant. Donc, bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que vous avez quelque chose à dire, comme on a déjà dit là? Il est bon quand on fouette l'enfant dès qu'il fait quelque chose de mal? Il n'y a pas de mal à corriger un enfant. Les parents considèrent que c'est une façon de diriger, mais les enfants, c'est la maltraitance. Par conséquent, il n'est pas bon d'utiliser une ceinture sur, ça vous pouvez le blesser, d'utiliser une corne. Ah, merci beaucoup. Pardon, il faut applaudissements impôts pour ces enfants-là, parce qu'il a dit que ce n'est pas bon quand on fouette l'enfant dès qu'il fait quelque chose de mal. Moi, j'ai demandé à un autre sœur s'il est bon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il est bon quand on fouette l'enfant dès qu'il fait quelque chose de mal? Non. Lorsque le fouet est donné à l'essayant et qu'il ne l'utilise pas, les enfants pensent qu'il est continué à faire ce qu'il fait ici. D'accord. Donc, elle a dit que aussi dit que il n'est pas bon quand on fouette l'enfant dès qu'il fait quelque chose de mal. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Monsieur, répétez. J'ai demandé que si vous avez quelque chose à dire dès qu'on fouette l'enfant dès qu'il fait quelque chose, il n'en va pas. Je suis d'accord. C'est que God's Covenant a dit. Non, Rachel, vous mentez, donnez-nous votre opinion. Non, monsieur, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi elle a déjà dit, que voulez-vous que je dise? Donc, elle a dit que c'est tout ce qu'elle a déjà dit. Il n'est pas quelque chose à dire parce que ce qu'il voulait dire, elle a déjà dit ça. Donc, maintenant, on finit ici. Applaudissements pour une fois et plus. Applaudissements. Il va traduire tout ce qu'on a déjà dit. Il va dire nous tout ce qu'on a déjà dit. Et vous va écouter bien. Merci beaucoup. What we're all trying to say is it's okay for parents to beat their children, but they shouldn't make use of harmful objects like belts or other things to beat their children. But they should make use of things like cane.
And sometimes beating children could make them develop feelings of lying to their parents because they are scared of their parents beating them. Thank you. Merci beaucoup. Applaudissements, applaudissements. Ça, c'est tout. Merci beaucoup.